Ça a fait tout le monde bienvenue sur le channel. Encore une autre fois, un gros merci à tout le monde qui continue à abonner avec le channel et puis qui continue à partager la vidéo. Côté PAM, m'a fait effort pour me sortir une vidéo chaque semaine pour porter plus de valeur, plus partage de connaissances PAM et puis sujet d'actualité. Ça me pensait qu'il est capable peut-être utile l'autre monde qui est dans la communauté que il faut qu'on connaisse, que je pense qu'il est capable utile. Je dis, on va parler de AudioMac. Moun ki ap sou chanel lan lontan, sonje ke m te fon video pou kote ke m te di nou, pa kite moun mete mizik nou sou AudioMac. Paske AudioMac pa bon pou nou. Paske nou te fasan realite kote an pil moun tap mete mizik. Ati sou AudioMac ou soti mizik lan, ati sa mete sou, on lòk moun mete sou AudioMac, ou menm ou pa gòk invizibilite de sa. E an plus, AudioMac li pat monetize. Donk, mettre musique ou sur AudioMac, c'était comme si l'avait messi à terre. Musique l'en fait 20 000 lectures, 100 000 lectures, donc l'upstream ou pas de fait cop derrière ça. Parce que AudioMac, il met en version gratuite et puis pas de aucun moyen ou même pour te bénéficier de bagage d'elle. Donc ça m'était plus critiqué, c'est monde qui t'a pris musique, artiste mette sur AudioMac. Et moi, j'étais encouragé à Tissio, préfère que nous mettions musique sur YouTube. Si musique l'a fait un succès sur YouTube, Chanel l'on a continué à progresser. Mais je n'ai pas écarté la possibilité que si vous faites un gros succès sur AudioMac, ça va porter mon venir sur YouTube. Mais je vais encourager à Tissio. Je vais dire préférez YouTube et préférez l'autre plateforme de streaming, tel que Spotify, et pour nous poster musique. Mais je dis AudioMac, ça a quelques semaines, il renverse la situation. Dans la vidéo, ça, je dis désolé, je vais encourager nous. Mettez musique non sur AudioMac parce que politique AudioMac l'a changé. Qu'on y a là, moun tout le monde, tout artiste qui est dans le monde, capable de mettre musique sur AudioMac et monétiser. Donc, c'est une belle initiative que AudioMac prend parce que grand pile artiste qui a souffert, par exemple, qui a sauvegardé, qui a fait 1 million de lectures sur AudioMac, a gagné 300 000 écoutes sur Spotify, sur AudioMac, disons. Mais il y a 0 dans la poche. Eh bien, avec nouveau politique ça que AudioMac mette, ou capable et monétiser musique ou sur AudioMac, son bagage pense qui est vraiment important pour artiste. Donc qu'on y a là artiste qui gagne musique sur AudioMac, qui gagne longtemps sur AudioMac, il est important pour nous aller qu'on y a là mettez un bannier sur channel sur page channel sur page AudioMac nous. Mettez une photo de profil, mettez lien Instagram, nous mettez lien Twitter nous. Channel YouTube, nous, si nous avons un site internet, mettez le lien site internet. Nous, fait un profil qui est propre. Parce que pour monétiser la page et, disons, excusez, compte AudioMac, nous avons besoin de vérifier. Pour vérifier le compte, eh bien, nous avons besoin de mettre en description, une photo, un banner, une description, lien tous les réseaux sociaux. Parce que pensez que AudioMac va vérifier est-ce que. Est-ce que vous existez vraiment? Est-ce que ça c'est même si même gens pour me dire pour une vérification Instagram. Donc là où me font demande et vérification, c'est sûr qu'il a checké qui mon nom. Est-ce que c'est pas n'importe monde qui juste mon vérification. OK. Après ça, vous besoin d'y environ 25 abonnés sur AudioMac et puis vous besoin d'y environ 3 musiques sur AudioMac. Sur 25 abonnés, 3 musiques sur AudioMac. Ou déjà qualifié pour et mettre musique sous et en monétisation. Je pense que c'est une belle initiative que AudioMac prend pour permettre à Tissio vivre de streaming, vivre de musique qui sur AudioMac parce que son plateforme qui est très coûteuse par un peu de monde parce que son plateforme qui est gratis, pas tant que Spotify, pourtant des musiques sur les la mettre publicité, des instants la couper musique, on pas attendre des musiques au volant. Il est vraiment ennuyant sur Spotify. Je pense que son plateforme avec monétisation que il mettait disponible pour tout artiste dans le monde blanc qui gagne musique sur AudioMac, son plateforme qui gagne pile potentiel. Parce que en pile monde a utilisé AudioMac parce que son plateforme qui est gratuite, qui pas aucun contrat. Il mettait publicité, c'est vrai, mais des profils mettait musique ou fermer écran, capable de musique ou long play, ou capable de télécharger musique là sur téléphone ou bien sûr que le télécharge de musique là le retenir dans l'application, c'est pas comme sur télécharge de musique là,
prend la fait sauve laver le télécharger l'écrit une application kounya m'a pas encouragé tout artiste à la rondade à mettre musique nous sur deux mac et puis partager. Mais plus important, fait profil nous en li professionnel, j'aime te capable dire là. Il y a plusieurs façons capable faire ça. Aller mande aux amis qui compte faire des capable dire et graphique, qui capable faire un bel design pour nous, qui capable faire un banner pour nous, qui capable faire photo profil pour nous, aller mettre sur profil Audiomack nous ou bien aller sur Canva qui sont plateformes qui permettent de faire des designs vraiment gratuits, qui pas coûte rien, qui des designs tout qui prédéfini. Donc, et puis m'a mettre dans la description tout des templates côté que m'a partagé en lien côté que capable utiliser même template ça sous et Canva pour créer et des capable dire banner et profil et audio macro. Et puis l'autre bagaille et essayer mettre lien réseaux sociaux nous mettre une petite description sous nous et puis partager pour nous gagner 25 abonnés, 3 uploads puis et puis demandons vérification et puis à partir de là on est capable de monétiser et compte Audiomack nous et puis nous allons commencer faire petit chouchou avec musique nous et je pense que une nouvelle ça capable intéresser un pile artiste qui me pensait grand pile artiste qui gagne plus que 25 abonnés sur Audiomack mais qui pas connaît que possibilité ça lui ouvert je pense que monde qui gagne ça déjà let's go et puis al demander vérification pour nous capable commencer et streaming musique nous et puis faites tout ça. Sous ça, on a dit tout le monde bye bye et on se croise pour une autre vidéo.